Je crois que sur les 20 premières minutes, on n'a pas vraiment existé. Après, on a fait vraiment 40-45 minutes d'un gros niveau. On a peut-être un petit peu penché, perdu un petit peu de valeur athlétique à la fin du match. Mais sur ce qu'on a montré, avec un petit peu plus de réussite en deuxième mi-temps, on aurait pu prétendre peut-être marquer ce troisième but qui aurait pu nous mettre à l'abri, avec peut-être un peu plus de lucidité, voire un petit peu plus de chance. Maintenant, bon, c'est comme ça, on va avancer et je crois qu'aujourd'hui, les joueurs prennent du plaisir, j'en prends aussi, je pense que les gens aussi. Donc, je suis un peu déçu pour les joueurs de ne pas avoir pris 3 points parce qu'ils ont fait énormément d'efforts. On a mis à défaut cette équipe, ils nous ont mis aussi à défaut, ça fait partie du football, mais c'était un beau match. Je crois qu'on avait demandé aussi de changer un petit peu par moment ce qu'on fait, essayer de jouer différemment, de créer de l'incertitude, et c'est ce qu'on a fait notamment pendant un quart d'heure. Et la deuxième mi-temps, avec ce qu'on a montré, on aurait été avec un but de plus, et eux un but de plus aurait été normal. Bon, après, il y a eu aussi Gauthier qui nous a tenus dans le match, notamment à la fois en première et à la fois en deuxième, donc c'est important que des joueurs aussi soient performants, mais je tenais à féliciter quand même tout l'effectif ce soir, parce que c'est pas facile, on joue quand même contre une très très belle équipe, et nous on essaye de rivaliser comme on peut. On essaye de grandir, on essaye d'apporter ce qu'on peut apporter à cette Ligue 1. Je pense que, comme je vous disais, on n'est pas à les faire valoir, on a envie d'avoir aussi notre part du gâteau, et aujourd'hui on essaye de montrer certaines choses. Maintenant, on sait aussi que c'est très long et qu'il ne faut pas s'enflammer. Il faut continuer à travailler avec beaucoup d'humilité pour qu'à un certain moment on puisse encore prendre des points. Et puis vous savez, on a un match à Lens qui va être très très compliqué. Donc voilà, on va essayer d'y aller avec beaucoup d'envie, beaucoup de valeur, en essayant de récupérer aussi peut-être certains blessés, parce qu'on ne sait pas trop où on se situe ce soir. Il y a une démogénérgie d'énergie de tout l'effectif, il faut aussi assimiler aussi à la Ligue 1, donc voilà, c'est normal. Après, on espère aussi rentrer des joueurs rapidement, notamment Flo Tardieu, qui pourrait nous permettre aussi d'avoir au milieu un peu plus de consistance par moment. Et puis après, on a perdu Yotus Garrière, donc ça fait un changement de plus. Enfin voilà, on n'est pas épargné là-dedans non plus, mais bon, on ne va pas se plaindre aujourd'hui parce qu'on a un effectif qui travaille bien et qui a envie d'avancer.